Si les deux équipes pro indiquées sur ces chaussettes vous disent quelque chose, vous ne connaissez peut-être pas la marque qui fournit ces chaussettes. C'est tout simplement une marque française, Ventura Socks. On découvre tout ça en images. C'est parti! Et si vous ne connaissez pas la marque Ventura Socks, en quelques mots, c'est une société française spécialisée dans le textile et plus particulièrement dans la chaussette. Depuis août 2010 maintenant, ils sont lancés en France et réalisent tout simplement des chaussettes techniques dans des domaines bien particuliers. Et ils proposent encore une fois cette année toute une gamme de produits pour notre sport préféré, le cyclisme. On retrouve alors des chaussettes hautes et des chaussettes basses, ainsi que des manchons de récupération. J'ai pu tester pour ma part la gamme chaussettes hautes avec les deux paires de chaussettes des équipes pro qu'ils sponsorisent cette année, c'est-à-dire Direct Energy et Fortuné Vital Concept. Donc on va voir un peu en détail la conception et on va bien sûr les tester pour voir s'ils sont aussi confortables qu'ils ne le prétendent. A savoir que ces chaussettes sont proposées en modèle haute ou basse. On a ici le modèle haut qui monte à plus ou moins 20-22 cm sur la cheville, ce qui est largement suffisant. L'objectif de cette chaussette, c'est vraiment avoir un confort du pied optimal et maximal lors de vos sorties intensives de vélo. Pour ça, ils ont vraiment réalisé une chaussette très technique. Du bout du pied jusqu'aux chevilles, vous allez avoir vraiment beaucoup de matières différentes qui va vraiment être adaptée à chaque fois. On retrouve ainsi en haut du pied une bande noire qui va être un textile un peu plus compression qui va vous permettre vraiment de faire maintenir la chaussette à la cheville parfaitement. Si on descend un peu, on retrouve un textile un peu plus élastique, donc que ce soit au niveau de la semelle ou d'ici de la tige, et bien c'est un textile un peu plus élastique qui va vraiment être assez fin pour éviter qu'il y ait des problèmes de compression sous le pied par exemple. Ensuite on se retrouve sur des zones particulières comme le dessus du pied, un textile plus aéré, un peu plus en mèche pour vraiment évacuer la transpiration et tout simplement pour réaliser la thermorégulation du pied. On retrouve en plein milieu une bande un peu plus pareille de compression qui va permettre de maintenir la chaussette bien en milieu du pied et ça va éviter ainsi les irritations et les échauffements dans la chaussure normalement. Donc ça va vraiment m'être utile avec mes physiques. J'ai tendance à avoir des échauffements, donc peut-être que ça va réduire ce phénomène avec ces chaussettes. Et on retrouve bien sûr au niveau du talon et du bout du pied un renfort en résistex. Alors le résistex, c'est un tissu à base de carbone qui va être beaucoup plus costaud et qui va tout simplement s'abîmer beaucoup moins vite. On sait tous que le problème majeur des chaussettes, c'est souvent la pointe du pied à cause des doigts de pied et des ongles. Elles ont tendance à s'ouvrir et s'abîmer comme ça, donc normalement avec ce résistex ça devrait tenir beaucoup plus longtemps dans le temps. Trêve de blabla, on va se retrouver sur le vélo pour tester ces chaussettes en condition. On va voir un peu si j'ai des échauffements qui se créent, si elles bougent, bref, on va tout tester. Sur ces chaussettes, franchement, je suis vraiment très convaincu par ce textile, par cette marque Ventura Socks qui propose vraiment des vêtements techniques, pas d'échauffement, vraiment très confortable. La chaussette reste en place, donc ça provoque pas d'irritation en plus de déjà le mouvement du pied dans la chaussure. Donc ça, c'est vraiment très bien. Au niveau de la chaleur, bah aujourd'hui c'est pas les grosses chaleurs, il fait 21 degrés, donc je n'ai pas eu de problème de chaleur au pied ou autre. Donc ça, je pourrais pas vous le dire dans cette vidéo, mais je vous ferai un petit compte rendu écrit sur Facebook. C'est promis, si vraiment ça venait atténuer mes échauffements au pied. Et sinon, bah franchement, je trouve qu'elle monte vraiment assez haute, c'est vraiment la mode. Je trouve ça vraiment sympa, il y a plein de coloris disponibles, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique. On va se rentrer car il fait vraiment pas beau. Moi, j'approuve ces chaussettes made in France. Sans problème, vous pouvez les acheter et les utiliser par tout temps, vraiment sans souci. Et si vous êtes fan des équipes Pro Direct Energy et Fortuneo, vous pouvez acquérir vous aussi ces paires de chaussettes.
Donc n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.